Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un petit coucou spécial à tous nos abonnés et nos super fans. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite déjà la bienvenue. Mon nom est Fania Akaro-Renéus et on publie des vidéos sur la santé et la vie familiale. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur la petite cloche de notification afin de vous intégrer à notre communauté. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne et la santé et la vie familiale. Devinez. On va parler de l'infertilité, mais surtout de l'infertilité masculine. Parce que vous savez mieux que moi, l'infertilité, ça concerne et l'homme et la femme. Aujourd'hui, nous allons parler de l'infertilité masculine. En pile fois, nan yon koup, lè nou pa ka fè pitit, yo toujou atribuye problem nan a la fam. Yo di se fam nan ki gen problem. Eh bien non. Nan yon koup, lè nou wè ke nou poko ka fè pitit, se nou tout lè de ki bezwen ale l'hôpital paske problem nan li ka nan gason an, e li kapab nan fiyan tou. Petèt tou problem nan li ka se yon sèl kote, soit garçon ou bien soit fia ou bien li kapab nan nou tous les deux. C'est peut-être ça nou tout de besoin à aller l'hôpital pour nous faire check-up pour yo wè ki côté problème nan ye et pour nous kapab joindre une solution bien rapide pour nous résoudre problème nan. Parfois c'est un simple problème qui capable cause que ou poko kapab faire petite. Avant tout ki sa ki infertilité. Infertilité c'est incapacité ou bien difficulté pour yon couple faire petite pendant que yo passé un an ou bien deux ans y a fait bagay sans protection mais yo pas arrivé faire yon ti moun. Yo parle tout de hypofécondité, c'est là que couple à lui-même yo nan relation sexuelle régulière sans protection mais après un an yo pas jamais arrivé faire ti moun. Yo parle de infertilité après deux ans, yo parle de hypofécondité après un an. Gen deux types d'infertilité. Yo parle de infertilité primaire et infertilité secondaire. Infertilité primaire, c'est là que ou poko jam gen petit du tout. Ou poko jam enceinte yon fwa. Là, yo parle de infertilité primaire. Ou bien si pour garçon, ou poko jam enceinte yon femme pou yon fwa. Yo parle de infertilité primaire. Infertilité secondaire, c'est là que ou te gen yon ti moun déjà. Ou bien on était enceinte en femme déjà ou bien fille a lui-même était enceinte une fois même si il gagne petite là ou bien pas gagne pour une raison pour une autre soit un avortement soit une fausse couche mais qu'il y a là il besoin enceinte une deuxième fois mais il n'est pas capable. Eh bien là il parlait de infertilité secondaire. Maintenant qui ça qui capable cause un garçon pas qu'à faire petite monsieur le problème yo en pile cause en pile n'a juste énuméré quelques pour. Premier bagay ki ka ran yon garçon pa ka fè pitit, li kapab érection et éjaculation. Ou bien tout, li kapab yon ou bien l'autre. Nous connaît déjà érection, garçon li kapab gen un problème ban. Éjaculation, c'est pas parce que ouais yon garçon lui-même li éjaculer ou penser que li ka fè pitit. Parce que nan sperme nan liquide ça que la voya li kapab gen des problèmes de spermatozoïdes là-dedans, nous pral wè ça pi devant. Le problème qui est capable de causer un garçon pas qu'à faire petit, c'est capable d'un problème hormonal. Troisième problème qui est capable un garçon pas qu'à faire petit, il parle de varicocèle. Ça veut dire garçon lui-même il a une varice dans le testicule. Même j'en ai ouais mesdames, il a une varice. Ça veut dire que nous avons une série de femmes derrière jambe, yo a une pile veine qui fait douk. Eh bien, même j'en tout monsieur souhait que ou vérifier testicule, yo, deux boules graines, yo. Ou est que yo gon série de veines qui fait douk même j'ai avec sa konde pieds mesdames yo eh bien ou met aller ouais docteur parce que dès pou gen varicocèle ou capable gen difficulté pour capable faire timon. Ensuite gen problème carence nutritionnelle ça veut dire soit mal manger ou mal boire mettez sous ça ou mal dormi ou fumer ou boire éclairé eh bien ou gen droit pas en mesure pour capable enceinte yon femme. Le problème qui compte gagner encore gagner trouble de spermatogenèse. Son j'aime te parler nous de ça auparavant, ça veut dire dans production de sperme nan gagner un paquet de problèmes là-dedans. Premier problème qui compte gagner c'est azoospermie. Ça veut dire c'est pas parce que ou éjaculé ou gagne liquide qui sorti l'offre une fait bagaille qui fait que ou ka enceinte madame.
nan éjaculation ça nan liquide ça nan sperme nan et bien li gen droit pa gen spermatozoïde la dan du tout et depuis pa gen spermatozoïde pa gen grossesse ou met voyer contou et en rien sérieux pa régler depuis sperme nan pa gen spermatozoïde la dan qui pour al rencontrer avec ovule la qui pour cause que femme nan li même li tomber enceinte et bien pa gen grossesse. Deuxième problème qui kon gen nan sperme nan kon gen oligospermie. Ça veut dire quantité spermatozoïde la li trop petit nan sperme nan pour rive enceinte yon femme. Troisième problème qui kon gen teratospermie. Ça veut dire gen trop spermatozoïde qui anormal nan sperme nan qui cause que ou pa ka enceinte fille. Gen asténospermie. Ça veut dire que mobilité spermatozoïde dans les trop faibles parce que les pour ou voyez et puis pour spermatozoïde là aller son bataille qui gagne pour y a faufiler pour y courir pour y aller côté pour y aller pour rencontrer ovule là et puis pour finir lui même lui enceinte. Gagne de monde même qui parfois tellement des veines yo gagne tous les trois troubles ça yo ensemble que relé OATS. Ça veut dire yo gagne oligo asténo-teratospermie. Ça veut dire que non seulement que quantité spermatozoïde là li insuffisant et mobilité yo faible et puis encore gen pile nan yo qui anormal. Ça veut dire moun nan gen trois problèmes en même temps dans seul tête sperme nan. Alors c'est peut-être ça li important monsieur yo les nous et nous gen madame nous nous besoin faire un petit monde nous pas capable de grâce accompagner madame nous aller ouais docteur fait check-up pour nous connaître qui bon problème nan yé et comme diagnostic premier bagaille premier test docteur pral mande nous pour nous faire c'est un spermogramme qui ça spermogramme nan yé c'est un examen de sperme nous qui pral permettre pour déterminer est-ce que nan sperme nan pas gagné un bagage qui anormal qui cause que ou pas enceinte madame. Et l'autre test de routine yo capable de faire c'est un examen de sang pour voir est-ce qu'on pas gagné l'autre maladie est-ce que tout bagage fonctionne. Comme ça tout après examen ça si yo déterminé que tout bagage normal, yo capable de faire des examens qui pi poussé pour yo capable détecter qui bon problème nan yé. Et c'est peut-être ça encore m'a répéter accompagner madame ou ni madame ou nous supposé à l'ouais docteur pour ouais na qui parti problème na j'aime toujours dire parfait tête red monsieur yo depuis nous ouais que nous fait plusieurs tentatives pour qu'on capable gagner ti moun pas quitter madame na aller devant et puis ou même rester chita ou pas jamais mal ou docteur pas jamais mal fait check-up et puis parfois problème là c'est la caillou li capable yé et comme prévention toujours porter quelques petits conseils pour nous non nous même qui besoin faire petite petite fille petite garçon alors moins conseiller nous pour nous capable gagner yon bon hygiène de vie vle di ki ça pour nous et faire équilibre dans sa nous manger fruits manger légumes boire en pile d'eau éviter trop graisse éviter trop sel éviter trop sucre et puis battre pour nous dormir pour pipiti 6 à 8 heures temps de sommeil si nous capable et puis éviter fumer éviter abus d'alcool donc éviter tout pour nous pas prendre une série de bagailles qui a nuit santé non et gérer stress non parce que stress nous connaît que c'est un bagaille qui vraiment bail problème dans tout sens et surtout pour garçon yo stress là lui même lui capable surtout dans causer sexe et puis contrôler poids non ça veut dire les nous gon quantité de graisse qui excessive ça capable rendre nous obèse et ça capable tout provoquer pour nous gagner maladie diabète et nous connaît garçon depuis nous gagner maladie diabète ça capable gain effet sur activité sexuelle nous donc c'est un bon bagage donc l'aime parler de hygiène de vie c'est hygiène de vie dans toute sa splendeur dans toute sa profondeur mesdames et messieurs donc bat pour nous contrôler tout bagaille ça yo et tout bat pour nous faire petit exercice physique en pile fois nous penser que c'est les monde besoin sexy li besoin al faire sport ou bien c'est les monde tout besoin en forme pour al faire sport et bien quitte me dit nous dans exercice physique dans sport que nous a fait gain en pile bien fait la donne que nous même nous pas imaginer que nous pas connaître.
Alors, moi, invitez nous, moi, supplier nous de grâce, pas tant ces docteurs qui pouvaient nous faire une série de bagailles. Depuis qu'on y a commencé à prendre responsabilité, nous commencer à prendre décision pour nous changer une série de mauvaises habitudes. La caille nous qui rend nous malades, qui mette nous une série de problèmes que nous pas souhaité et que pis devant, li capable, pis grave, li capable, pis triste pour nous. Alors, moi, espère que vous mettez ces conseils en pratique et moi, souhaite tout très bientôt pour bon Dieu. Peni froye ou et bébé ou tap cherché a pour joindre pour le vider bénédiction en abondance pour la joie envahi famille et surtout écris nous en commentaire pour dire nous so pas de connait et dis nous tout qui difficulté ou a rencontré qui sujet ou ta remé nous parler dans coupe ou bien tout sur la santé et nous là nous disponible pour nous aider ou dans sens ça. Pas oublier abonner avec chaîne YouTube nous hein, pour capable joindre toutes notifications, toutes vidéos que nous portons pour vous, pour pas jamais rater un jour et songer tout. Nous sur l'autre réseau, nous sur Instagram, nous sur TikTok, nous sur Facebook, nous sur Twitter. À l'abonner avec nous. Non pas c'est Fania Akaro Renéus, c'est moi-même qui t'ai porté cette vidéo ça pour vous. Au revoir tout le monde, à la prochaine pour une autre vidéo plus belle et plus intéressante que celle-là. Bye bye!